Alors, t'as trouvé quelque chose dans l'atelier de Finn ? Ouais. Je sais pourquoi elle fait tout ça. Il est arrivé quelque chose à son frère. Un truc grave. Oh non. Rick travaillait chez Roxxon. Il dirigeait les recherches sur le Nuforme. Wow. Apparemment, le Nuforme l'a rendu malade. Simon Krieger n'arrête pas de dire que c'est sans danger. Il ment. Finn et son frère ont voulu faire annuler le réacteur prototype. Il faut pas que le projet voie le jour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas encore. Finn a tout enregistré sur son téléphone, mais elle l'a perdu dans le labo. Je pars le récupérer. Écoute, je bouge pas. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Ça roule. Ça roule, je suis Butters, ou plutôt le professeur Kaho. Mouhahaha. Comment allez-vous tout le monde ? SexBSK, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour nos aventures sur Marvel Spider-Man, Miles Morales. La recherche de Roxxon. C'est là que tout le projet de Nuform a démarré. Le téléphone est quelque part là-dedans. Et je crois que j'ai trouvé une entrée. J'ai dit, il y a un bouclier à haute tension. Qu'est-ce qu'il alimente ? Faut que j'arrive à le désactiver. Tu vas faire quoi ? Hein ? Oh ! Bâtard ! Ça, ça pique ! Regarde ce qui pique ! C'est moi en train de te tabasser ! Ok. Reste plus qu'à entrer dans le bâtiment. Merde, loupé. Là. Et allez, on surcharge ! L'énergie absorbée a fait griller le générateur. J'en reviens pas que ça ait marché. Et voilà. Me faufiler dans un labo rempli de gardes armés. Les vacances de Noël, c'est plus que c'était. Je devrais être à la maison, à comater, jouer à plein de jeux vidéo et me gaver de biscuits en pain d'épices. Pff, sérieux. C'est par où ? Attends. Je viens de tourner en rond ? La personne qui a conçu ça ne devait pas avoir les idées claires. C'est que ça a l'air chouette ici. D'après le détecteur, le téléphone est dans les sous-sols, loin sous la surface. Quelle magnifique infiltration. Il y a une intrusion dans le système d'échappement. Si c'est l'Underground, descendez-les. Spider-Man ou Conqueror, on capture. 5 sur 5. Hé, gamin. Qu'est-ce qui te fait rire ? Pour un, Miles. Pour un petit maigrichon. Tu frappes fort. Oncle Aaron ? C'est toi, le rôdeur ? Mon père avait un dossier sur toi. Je sais. Et je parie que tu te poses tout un tas de questions. Mais il faut qu'on sorte de là. C'est une mauvaise idée de s'introduire ici. Je m'en irai pas tant que j'aurai pas trouvé ce que je cherche. Écoute, j'ai...
J'ai bossé pour Roxxon il y a longtemps. Et ces types ne plaisantent pas. S'ils nous surprennent ici... Alors, aide-moi. T'as... aussi têtu que ton père. D'accord, mais on fait ça à ma façon. Il y a un endroit d'où je peux accéder à un terminal de sécurité. Je pourrais te prévenir. Mine télécommandée. Certain si ça tourne mal. Te fais pas prendre. Tu vois ce qu'on conduit avec la protection laser ? Comment t'as fait ça ? J'ai déjà eu affaire à ce genre de système. Concentre-toi. C'est le moment d'essayer les mines télécommandées. Qu'est-ce qui cloche avec les caméras ? Il y a encore des coupures ? Non, ça c'était Harlem. Reno a flagué toute une centrale. Alors, qu'est-ce que tu cherches ? Un téléphone ? J'ai tracé le signal. Ça venait d'un sous-sol, loin de la surface. Le point le plus bas du bâtiment est dans le fond du silo du réacteur. C'est là que je dois aller. Ça va laisser une trace. Il devrait y avoir un conduit dans cette pièce. Ça va au labo, et ensuite au réacteur. Un réacteur en uniforme ? C'est ce qui est marqué sur le plan. Hé, hey, où est le uniforme que j'ai demandé ? Oh, on essaie d'en fabriquer plus, mais Mason ne nous a laissé aucune note. Et ? Eh bien, il paraît qu'une dose de uniforme a réchappé de l'incident sur le pont. Si je pouvais y avoir accès... Si je l'avais, je vous l'aurais donné. Vous pensez pas ? Si, Monsieur Krieger. Mais il faut que vous compreniez que sans elle, il sera impossible d'être fin dans les temps. Je fais tout ce qui est en mon immense pouvoir pour retrouver cette bonbonne. En attendant, soyez gentils, dégagez d'ici et retournez dans votre labo pour faire votre travail. Krieger a donné à venir. Tu vas me dire à qui est le téléphone que tu cherches ? À Tinkerer. Tu vas me dire pourquoi tu me suis ? Pour te protéger, tu devrais être honoré. J'ai repris du service uniquement pour t'avoir à l'œil. J'arrive pas à croire que mon oncle soit le rôdeur. Et moi, j'arrive pas à croire que mon neveu risque sa peau pour un téléphone. Finissons-en. Tu es près du réacteur prototype. Il faut que tu neutralises ces gars. Restons sur nos gardes. Homme à terre, ouvre l'œil. Je pars en patrouille. Oh là là, homme à terre, ouvrez l'œil. Ouh ouh. Aucun contact, c'est bon. Spider-Man est là, ouvre bien les yeux. Bien sûr. Non, tu crois ? J'avais pas vu que j'étais pas là. Allez-y. Non, oui, rends-toi immédiatement, Speedou. Lol. Elle est dans la zone. Ah, il m'a vu. Ah, connard. Tiens, gris. Beau boulot. Merci. Le silo se trouve de l'autre côté de ce mur blindé. Sers-toi de ce terminal pour l'ouvrir. Attends un peu. Il y a d'autres labos dans la ville ? Et ils contiennent tous un réacteur à Nuform. Le Nuform a rendu Rick malade. Je dois les arrêter. Concentre-toi, trouve le téléphone et sors de là. Dépêche-toi. Les gars, le réacteur est en dessous. Il alimente tout le bâtiment. Le téléphone est tout au fond. Je dois trouver un moyen de passer ce ventilateur. Et aussi tous ces types. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne te fais pas prendre.
Comment il a vu alors que c'était sûr? Ah mais c'est eux. Arrête de faire une nouvelle victoire pour Spider-Man. Quand tu dis ça, j'ai l'impression d'entendre ce couillon de Cartman là. J'appelle juste pour voir si t'es pas blessé ou bien mort. Merci. En fait, j'ai mon oncle qui me file un coup de main. Le gars qui travaille dans le métro? Ouais. Figure-toi que c'est aussi le rôdeur. C'est une longue histoire. Attends. Le rôdeur? Le voleur dans son costume violet? L'ancien voleur. C'est pas équipe. Temporaire. Ton oncle est le rôdeur? C'est dingue. C'est complètement dingue. Je sais. Je dois te laisser, Ganky. On en reparlera plus tard. Paris à tirer, il faut le débusquer. Putain, comment on va faire? Non, plus sniper, c'est vachement plus facile maintenant. Ouais, je peux être n'importe où, c'est vrai. Hop là, dans tes boules, enfin dans ton bide plutôt. Retrouvez-le et tout de suite. Tiens. C'est quoi ça? Faites gaffe, Spider-Man a eu un de nos gars. Pas vrai. Sécurisez la zone, maintenant. Je peux pas genre lancer le truc et... Attendez. Quoi? Je neutralise Spider-Man. Tu disais? Tu kiffes? Ah oui, viens! Attends! Attends-moi, gros, j'arrive! Oh oui! Ressens la puissance du Speedou! Dépêche-toi, petit. J'essaie de désactiver les caméras et les alarmes pour qu'il n'y en ait pas plus qui débarquent. Brise les câbles au-dessus du monde et il devrait s'arrêter. Merci! D'accord, on les tient en place. Oui. Et maintenant les câbles. La batterie est déchargée. Tiens, explose pas. Cool. Bon. Caméra, vidéo. La voilà. Ok. Faut être deux pour neutraliser le noyau. Tu lances le forçage ici. Je confirme là-bas. Première étape pour détruire complètement le Nuform. Ça t'embête pas? De détruire ta création? T'as vu dans quel état je suis. Détruisons cette saleté. Prêt? Prêt. Lancement du forçage dans 3... 2... Finn. C'était pas moi! Sabotage industriel. Sérieusement. Personne ne se souciera de quelques pauvres idiots malades. Ingénieur mort. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Non! Tu peux l'arrêter! Non! Finn! Regarde pas! Il y a quelqu'un d'autre là-dedans. Trouvez qui? Rick vous laisse.
devait sauver les gens. Et Krieger l'a tué. Je dois finir ce qu'ils ont commencé. Oncle Aaron, tu peux enlever la protection du réacteur de là où t'es ? Pourquoi ? T'as le téléphone, on dégage d'ici. Ce réacteur a tué mon ami. Il faut l'arrêter une fois pour toutes. J'ai besoin de toi, oncle Aaron. S'il te plaît. Oncle Aaron ? D'accord. Écarte-toi. Merci, mon oncle. Wow. Comme les générateurs dehors, mais... Carrément. Plus gros. Qu'est-ce que tu fais ? Miles, arrête ! Miles, tu vas bien ? Il faut pas que tu restes là. T'arrives à bouger ? Ouais. Ouais. Passe par ce couloir. Vite ! Je me sens vraiment pas bien. J'ai l'impression d'éclater. Téléphone. Je peux pas garder l'énergie. Miles, parle-moi, Pete. Tu vas bien? J'ai l'impression d'être tombé d'un avion. Mais au moins... le réacteur est HS. T'es presque dehors. Ah, j'avais vraiment besoin de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Allez, petit gars. Je pourrais pas arriver avant Roxanne. Rends-toi ! On a reçu l'instruction de t'enfermer ! Il a reçu de quoi ? Donne-moi ton bouclier, connard ! Pas vrai. Nyeh. Allez, mange. Oh merde. Oh merde. C'est qu'à le dire là, ouais merde. Je viens de me faire éjecter du système. Donne-moi une minute. Je vais te sortir de là. Quoi ? Les adversaires déposent de contre-mesures bioélectriques. C'est une blague. Ça suffit. Tu vas le regretter. Mon cul, ça. On ne bouge plus. Ouais, bouge plus, regarde. What? Bah, c'est craqué du cul, ça. Pourquoi je fais ça? Ouf! Allez, donne-moi le bouclier! Allez, sois un gentil garçon! Eh, hey, passe par terre! Bon? Allons-y! Avant qu'il en arrive d'autres! Waouh! Trop cool la technique de camouflage! Comment ça? Marche! Tu prends à gauche, je prends à droite! Je prends quoi ? Ça craint, Miles. Ça craint à mort. Ne t'inquiète pas, on est plus fort qu'eux. Disais ? Ce qui se passera après contre toi. Krieger nous a tourné dedans, collimateur. Faites des prières. Allez, on vire le bouclier. Toujours virer les grands méchants pas beaux, super balèzes au début. Mais what? Non, pas des bolasses. Enfin, pas les bolasses, pas les golasses, tu vois. Hop là. Non, j'ai loupé, ok. Oh oui, tout dans le coin, tout dans le coin, j'aime ça. Oh, mange, mange, Lucette. Quand là ? Quick ! Salut monsieur, vous allez bien ? Attendez, y'a votre pote là-bas. Donne-moi ce... Voilà, problème réglé.
remets de la vie. Pas de problème réglé. Donne le boubou! Va falloir te cacher. Ne fais confiance à personne et ne retire plus ce masque. Attends que Roxxon se trouve une meilleure cible. Je peux pas me cacher. Je dois encore trouver Finn. Tinkerer, c'est ta copine. Pas étonnant que ça te tienne autant à cœur. Mais y a pas que ça. Je dois protéger New York. Sers-toi de Finn. Dis-lui que tu veux rejoindre l'Underground. Tu viens de dire de garder le masque. Non, lui dis pas que t'es Spider-Man. Demande-lui en tant qu'ami. Non, elle est trop maligne pour ça. Tu serais surpris. On devient stupide quand on tient vraiment à quelqu'un. Et c'est ce qui t'arrive en ce moment. Si je lui dis la vérité... Les faits avec ton père. Je lui faisais confiance. Je pensais qu'il... Il soutiendrait son frère. Mais il a coupé les ponts. Si je lui avais rien dit, j'aurais peut-être encore une famille. Tu sais ce que tu dois faire. Bon, tu devrais... appeler Finn ? Non, non, j'ai le temps d'aller patrouiller. Ouais. Miles, tu sais combien d'abonnés t'as gagné depuis que l'appli est en ligne ? C'est un truc de malade ! J'ai fait des calculs et je sais que tu m'as déjà dit pas de pub, mais on devrait peut-être y réfléchir. Non, ça marche. Non, t'as raison. J'ai juste une idée. Alors, t'as trouvé le téléphone de Finn ? Ouais, mais... Il a fondu après que j'ai absorbé l'énergie d'un réacteur à uniforme. Quoi ? Et t'es pas mort ? C'est ce que j'ai cru pendant une minute. Mais après, j'ai relâché toute l'énergie dans un genre de mini-explosion. Heureusement que j'ai pas ravagé tout le labo. Oh, il faut vraiment que je fasse une liste de tous les nouveaux pouvoirs. Alors, on fait quoi maintenant ? Oncle Aaron pense que je devrais dire à Finn que je veux rejoindre l'Underground. Comme ça, je pourrais récupérer une uniforme qu'elle veut utiliser pour faire je sais pas quoi. Wow. Tu veux lui mentir ouvertement ? Je sais. Mais j'ai pas d'autre idée. Tu sais ce qu'on devrait faire ? Dis pas lister les pour et les contre. Exactement, lister les pour et les contre. Je dois agir, Ganky. Je comprends. Bonne chance, en tout cas. Appelle si t'as besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer, du coup ? Voilà. Pourquoi j'ai un truc dans tenue ? Peut la crafter. Résistance aux dégâts... Ah, d'ailleurs ! Ah, mais d'accord. Bon, les dégâts des objets lancés... J'avais pas vu ça. Ah, la tenue de... C'est quoi ce Spider-Verse ? Je sais plus ce que c'était. J'ai déjà oublié un petit peu. Par contre, j'avoue que les dégâts de longue portée, ça peut être sympatoche. Mais peut-être qu'améliorer des trucs aussi, ce serait sympatoche. Je peux améliorer ou pas ? Les attaques après l'esquive parfaite infligent 50% de dégâts pendant 5 secondes. Attends, quoi, je vois de la vie là. À chaque coup, sur des ennemis paralysés. Vas-y. Bonheur, joie, petit oiseau. Bon, du coup, faut que je fasse une mission à la con, c'est ça. Il y a une effraction à 600 mètres, vas-y. Cambriolage en direct. La petite cartonne vraiment. Vous imaginez si Marvel Avengers avait eu la même qualité de production que ce Spider-Man ? Oh, il aurait été tellement bon.
Salut! Je vais quoi? Aïe! Connard! Non, soyez électrisé et ressent. Ouais, essaye de me choper seulement. J'adore ce qu'il y a, il y a les pauvres SDF sur le côté en mode. Oh, il y a une baston, c'est pas grave. Ressent le pouvoir électrique! T'as aucune chance! Spider quoi? Je veux plus vous voir commettre des crimes dans mon quartier. Ouais! Même dans tout New York en fait. Lol. Ouais. T'es tellement crédible quand tu dis ça, gros. Ouais! Dans tout le quartier même! Dans tout New York! Oh! Hein? Oh! Toujours pas de mission? Bon, je suppose qu'il faut faire une vraie. La piste nord est fermée. C'est belle comme tout permis. Les gens peuvent pas rester dans la rue. Oh. Allez, on fonce. Oh, je suis à mort toute vitesse, et alors? Problème? Regardez-moi ça, hop! La maîtrise du XVSK là! YOLO! Bon. Allez, on y est presque. Et hop! On y est! Bonjour! Je devrais y aller en tant que Miles, pour voir ce qui se passe. Gandhi, je vais aller voir Gloria pour parler du Fist. En tant que moi, pas Spider-Man. Comme une sorte d'agent double. Ou même triple. Ça me plaît. Salut Gloria, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est dehors? Un problème de fuite. On a tout nettoyé, mais la ville ne nous laissera pas rouvrir tant que ce sera pas réglé. J'ai fait venir 3 fois le plombier, mais ça revient sans arrêt. Tu peux envoyer du monde dans d'autres refuges fistes? Tout est déjà plein. Ces gens-là, ils n'ont nulle part où aller. On essaie de garder les gens au chaud et de les nourrir, mais par ce temps... Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais. Tu peux aller voir les gens installés dans le parc. Ils sont pas toujours très chauds pour parler à la direction. Ok, ça marche. Et après ça, retourne en vacances. Tu travailles trop. Ok, ok. Je dois comprendre ce qui s'est passé avec l'eau. Peut-être que ces gens pourront m'aider. Si je pouvais retourner dans mon appartement chauffé après, ça serait cool. Je vais le faire. Merci. Je suis Steph, la copine de Gloria. Je suis bénévole au Fist. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais. Gloria dit que la ville refuse de rouvrir le centre. Ils sont étrangement bornés. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous fermer. Moins d'une heure après l'inondation, ils étaient là. Ouais. Je devrais porter un petit chapeau en papier d'alu, hein, c'est ça? Non, c'est bizarre. En tout cas, un grand merci pour ton aide. Ok, c'est louche. Je devrais continuer à parler aux gens. Je peux peut-être arranger ça. Ouais, bah si tu la poses dans la neige, elle... Attendez, je vais vous aider. Merci. J'essaie de garder ça au sec. J'avais peur qu'on se fasse dévaliser, mais il y a eu cette inondation. J'avais même acheté un couteau. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? J'ai vu des types en train de rôder autour du centre. Je les ai chassés, mais ils sont revenus. Et puis ils ont disparu juste avant que ça pète.
Dites-moi si vous voyez autre chose. Et faites attention avec ce couteau. Ça marche. Merci. Pourquoi avoir choisi le marron ? Tu m'avais pas dit que t'avais vu des types. Salut. Je vous aurais pas entendu parler d'un employé de la ville par hasard ? Ouais. Il y a environ un mois, le refuge a installé un nouveau chauffe-eau. Un inspecteur est venu et il a dit que tout allait bien. Et regardez où on en est. Ouais. Bizarre qu'il ait rien vu. Je dois y aller. Prenez pas froid ! Vous non plus. Hé, hey, t'es occupé ? Je bosse sur Speed Nonagon. T'as du nouveau ? Il y a des types qui rôdaient autour du fist juste avant que ce soit inondé. La ville a tout de suite condamné le centre. C'est bizarre. Et un inspecteur a dit que tout était nickel juste avant que le tuyau lâche. Ce serait du sabotage ? Carrément. Je dois aller mettre ma tenue. Ah oui, je dois aller mettre ma tenue, mais je vais la mettre à la 2 à l'heure. Faut que je me change. Oui, je sais bien qu'il faut que tu te changes, mais s'il te plaît, si tu pouvais... Ah, merci. Putain, t'es sérieux, c'est quoi la touche pour courir? Putain, c'est... C'était quoi? Oh putain, sérieux, appuyez sur R2 pour pouvoir courir. Oh, vous auriez pu mettre ça sur L3, comme d'habitude, hein. Ou maintenir X. Bon. Mais comment on doit aller trouver ces enculés? Gloria dit que la ville rouvrira le centre si les tuyaux sont réparés. Je sais pas si je peux y arriver. Eh ben dis donc, on va faire toute la tuyauterie de New York. Ça mène à un égout. Ouais. Bouché par... Oh, les ordures. Pas étonnant que la canalisation ait pété. J'ai fait le ménage. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a de l'eau qui coule. Ah, je sais quoi faire. Faut que tu trouves la station de pompage. Comment tu sais ça? J'ai participé au nettoyage des rivières en primaire. Alors elles sont super propres maintenant? Plus propres, en tout cas. Ne te baigne jamais dans l'Hudson. En même temps, qui sera assez con pour aller se baigner dans un truc public, quoi. Je vais me baigner dans la Sambre, tiens, Charleroi. Je vais ressortir, je vais avoir le sida. Ganki, je confirme que c'est les types que j'ai affrontés à la centrale électrique. Cambrioler une banque, je comprends. Mais pourquoi s'en prendre au fist? On va le découvrir. Tu crois qu'il va prendre son business de protection? Quand il aura pris ses marques, sûrement. Faut bien l'avouer. Faut bien l'avouer, hein. Oh, et puis merde. Je vais vous la télé les couilles, moi. Ça va plus vite en général. Enfin, peut-être pas là, mais bon. Allez hop, coup de gras. Et autre. Allez. Wouhou. Bon. Hé, le nettoyeur de rivière. La pression de la pompe est dans le rouge. Ils ont dû toucher aux valves. Tu vas devoir les régler une à une avant de pouvoir allumer la pompe. Tu les as entendus? Leur chef veut s'emparer de Harlem avec sa bande. Drogue, extorsion. Oh, je me demande pourquoi les gens peuvent pas se contenter de venir pour les restos et les musées. Rien à voir avec Spider-Man. Mais t'as commencé, Jenny, pour le cours de Madame Malher? J'ai fait absolument aucun devoir depuis la fin des cours. C'est ouf. Je viens de finir la scène du mariage. Ah, j'arrive plus à poser le bouquin. Attends, t'es en train de dire là? Tu croyais que tu me filais un coup de main? Ouais, tout à fait, je suis là. Non, je t'écoute. Je finis juste ce chapitre. Donne-moi 5 minutes. Sérieux? Une de moins, encore deux balles. Ah,
Celle-là a une jauge de pression. Ça doit vouloir dire qu'elle est vieille. Oh merde, merde, merde! Je dois la couvrir de toile. La pression doit être pile au milieu. Sinon, les tuyaux casseront à nouveau. Faut entoiler les parties abîmées. Je dois attendre que ça baisse. Je dois fixer le tuyau. Ouais, tu dis que tu dois fixer le tuyau, mais... Moi, je veux bien, hein, c'est pas le souci, hein, mais... Le truc diminue pas, c'est normal. Y'a pas de tuyau dans le coin. Non ! Ah, d'accord. D'accord. Logique. Tu sais bien que la logique chez moi, elle est pas très élevée, hein. Si je faisais un personnage de JRPG ou de RPG papier, je serais forcément un barbare. Ou un con, ça revient au même. Bonjour! Ouais, j'avoue, c'est pas cool, hein. Ah, le gang des... Le gang de Noël, on va vous appeler. Vous aviez laissé Arlène tranquille. Vous aurez laissé tranquille, peut-être. Tu vas te déguster. Ouais, je vais déguster, regarde, j'ai grave dégusté, là. Oh yeah. Tu vas morfler. Disais. Maintenant, la vague de pression. Ça devrait être bon. Il faut que je relance l'eau à la station de pompage. Hé, Ganky, tu peux appeler la mairie? Ils envoient quelqu'un au Fist Nord pour déclarer sa défermeture. Pas de problème. J'adore me faire passer pour un adulte et passer des coups de fil officiels. Le retour des affreux. Il faut que je m'en débarrasse. T'es déjà allé rendre visite au patron? Je ne s'autorise pas à aller. Le seul moyen de vous contacter, c'est de passer c'est par bon le vrai système vidéo du... Ah, sympa celui-là. C'est bizarre que les gardes lui laissent une webcam. Tu rigoles? La plupart de ces types bossaient déjà pour lui avant qu'il aille en prison. Y'a que ça. Attendez, j'ai quoi là? J'ai entendu un truc. Non. Y'a des toiles ici, faites gaffe. Et voilà, expert. Comment est-ce qu'on faisait encore pour... Ah, ok, comme ça. Allez, viens ici, mon gros. Je fais jamais le truc du mur, faudrait que je le fasse un petit peu plus. Une nouvelle victoire pour Spider-Man. Parce que je m'appelle Cartman. Oh là là, c'est con, vos potes, ils sont à terre, hein. Ouais, ils sont quand même beaucoup là. Non, mauvaise. J'ai entendu un truc.
Bah allez-y. Vous faites pas griller, hein. Allez, mais dépêche-toi, là, couillon. Sûrement, il est. C'est plus facile là. Plus facile que Batman en tout cas, c'est sûr. Ouais Ganky, t'as entendu ça? Leur chef se trouve au raft. Oh waouh. Côté positif, on peut peut-être l'empêcher de communiquer avec l'extérieur. Je vais regarder ça. Maintenant faut réactiver l'eau. Et là, l'eau se met à couler. Super timing. L'inspecteur de la ville vient d'arriver au fist. Il devrait pouvoir rouvrir bien. Nickel. Je vais y aller directement pour voir si Gloria a tout ce qu'il lui faut. Tu te demandais pourquoi leur patron avait monté toute cette opération pour fermer le fist. Raison numéro 1. Leur terrain vaut de l'or. Et raison numéro 2. La présence d'un refuge à Harlem fait considérablement baisser le crime. Et comme il veut être un baron du crime, plus il y a de criminalité, mieux c'est. Exactement. Mais on l'a arrêté parce qu'on est trop fort. Hey, salut! Oh, salut! C'est toujours un plaisir de rencontrer un Spider-Man. Oh, oui! Écoutez, je réparais le système de distribution d'eau et j'ai vu que votre refuge était touché. Ça devrait être bon maintenant. C'était toi? L'inspecteur vient de passer, il autorise la réouverture. Tout le monde peut rentrer! Oh, Spider-Man, vous tombez vraiment bien. Je sais pas combien de temps on aurait tenu comme ça. Merci. Salut Gloria, c'est Miles. On m'a dit que le Fist Nord devait rouvrir. On a eu un petit coup de main de Spider-Man. Tu crois, toi? Merci encore d'être passé. Les gens dans le parc disent que tu les as bien aidés. Y a pas de quoi. Allez, profite de tes vacances. On se retrouvera à la rentrée. Ok. Salut. Le Fist Nord vient de rouvrir, grâce à nous deux. Dream Team. C'est clair. Je vais enquêter sur cette histoire de patron qui communique depuis le raft. Si on pouvait lui couper le sifflet, ce serait parfait. Oh, impeccable! Je vérifierai l'appli régulièrement. Merci, mon pote. Allez, il faut que je le fasse. Je vais appeler Finn pour la convaincre de me laisser rejoindre l'Underground. Salut, Miles. Ça va? Ouais, pourquoi? Oh, j'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. Non, on n'a rien. T'aurais le temps d'aller prendre un café? Je peux le prendre. Il y a un café sympa sur Edison, près de la tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec la mousse, mais au moins, les gens prennent pas leur latte en photo. Ça change. Ça marche. Rendez-vous là-bas. Allez, bientôt, je ferai partie d'un dangereux groupe de criminels. Tout va bien. Ben oui, tout va bien. C'est bien être un criminel parfois. Allez, sur ce, mettez-vous, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la houii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 i